وللحديث أكثر حول هذا التحقيق نسعد باستضافة السيد أليكسي غينو مسؤول التحرير في أوكسفورد بيزنس الجزائر. أهلا بك سيدي ونشكرك على تلبية الدعوة. Bonjour, merci de me recevoir, je suis honoré. مرحبا بك. بداية إذن كيف وجدتم توجهات العامة لرؤساء المؤسسات والخبراء الاقتصاديين فيما يخص مؤشر الاستثمار ومؤشر مناخ العمل في الجزائر؟ Alors, c'est vrai qu'on a rencontré énormément de chefs d'entreprise, entre 300 et 350. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a profité justement de cette proximité qu'on peut avoir avec eux pour leur poser ce sondage à la fin des entretiens qu'on a avec eux, qui sont des entretiens informatifs. On leur a posé un sondage de 12 questions sur justement un petit peu leur ressentiment par rapport à l'environnement des affaires en Algérie. Et les résultats donc, que nous avons eus cette semaine et que nous révélerons demain lors d'une conférence à l'hôtel El Jazair sont plutôt encourageants, en fait. Alors, c'est vrai qu'on est dans une conjoncture qui est un petit peu compliquée en ce moment. Pourtant, il y a quand même une espèce de confiance dans le climat des affaires des chefs d'entreprise qui nous a en fait fait plaisir. Je partage avec vous quelques résultats en primeur, puisque l'ensemble des résultats seront révélés demain. Excusez-moi, voilà, exactement. Par exemple, 70% des chefs d'entreprise que nous avons interrogés ont révélé qu'ils envisageaient de faire un investissement significatif dans les 12 prochains mois. Donc, que ce soit en ressources humaines, en unités de production. Donc, ça montre quand même que même si la conjoncture est difficile, il y a une confiance dans l'économie algérienne qui est importante. Exactement. Les indicateurs sont plutôt positifs. Un autre élément qui était assez intéressant, c'est on a posé une question sur les compétences. Quelle est la compétence qui manque en Algérie, qui selon vous, dont l'Algérie a le plus besoin pour se développer? Et c'était assez frappant puisque la plupart des gens que j'ai interrogés, puisque c'est moi qui ai mené le sondage, nous répondaient en fait, l'Algérie a beaucoup de très bons techniciens, des ingénieurs, des scientifiques. Ce qui manque, c'est plutôt des cadres. Donc des gens plutôt avec des profils managériaux, avec des profils de leadership. Et ça, c'était aussi une réponse intéressante puisque ça prouve que voilà, y a énormément de compétences qui sont déjà là. Il faut juste les cadrer et l'Algérie a tout pour réussir. سيد أليكسي, بغض النظر على القدرات المتوفرة اليوم في الجزائر في جانب العامل البشري, اليوم نتحدث عن احتكاككم مع رجال الأعمال, مع أرباب العمل وأصحاب المؤسسات وحتى خبراء اقتصاديين. اليوم ماذا ينتظر هؤلاء من هذه الدراسة وهذا التحقيق من مؤشرات ونتائج هذا التحقيق؟ Vous voulez dire qu'est-ce qu'ils attendent, vous voulez dire dans le futur? D'accord, je comprends. Écoutez, en fait, la plupart d'entre eux, ils attendent d'avoir une vision. Je pense que c'est s'il y a un point sur lequel ils ont énormément insisté, c'est peut-être ce manque de vision à long terme. Ce qu'un investisseur recherche au final quand il va investir de l'argent, c'est d'être sûr que dans X temps, il va avoir un retour sur investissement. Et donc, voilà, c'est ce qu'on nous a vraiment fait remonter le plus, c'est un besoin de vision, un cadre légal aussi, qui ne bouge pas, en fait, qui reste sur la longueur. Et puis, je crois aussi qu'ils aimeraient avoir peut-être plus de bonus sur les investissements, c'est-à-dire des lois qui permettent d'investir plus facilement. Et même si l'Algérie, au final, est loin d'être un pays fermé, c'est parfois ce qu'on entend et c'est pas vrai. Il y a énormément de mesures qui sont faites pour les investisseurs et qui permettent d'investir avec, par exemple, des choses très intéressantes sur le plan fiscal, par exemple. أستاذ أليكسي غينو, كل تحقيق أو دراسة تقام ميدانية لابد من منهجية تؤطر هذه التحقيق. اليوم كيف تم اختيار أولا العينات لأرباب العمل أو حتى الخبراء لإقامة هذا التحقيق؟
Eh bien, en fait, ce qui est intéressant avec la méthodologie du cabinet Oxford, c'est qu'on ne fait pas vraiment de différence. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser uniquement aux activités des multinationales présentes en Algérie. On va essayer de rencontrer un spectre d'entreprises qui Oui. Exactement, qui est représentatif en fait. C'est ça qui est important. Donc on a autant rencontré des petites PME, par exemple, qui ont réussi à devenir des sous-traitants de grandes entreprises, comme aussi des entreprises étrangères qui ont un bureau en Algérie, des groupes publics. Après, dans les détails, il y a quand même la grande majorité des entreprises qu'on a rencontrées qui étaient des entreprises privées. 70% d'entre elles étaient des entreprises privées. Après, on n'a pas vraiment ciblé. L'importance pour nous, c'était d'avoir le son de cloche autant du petit entrepreneur qui venait de commencer son business avec deux ou trois employés, comme après des groupes gigantesques. يعني لم يكن في اختيار لعينات الانتقائية بل كانت عينات عشوائية تقريبا. C'est ça, en fait. L'idée, c'était d'avoir vraiment le sentiment de chef d'entreprise avec des profils très différents. Et après, bien sûr, dans les résultats qu'on va publier demain, on fait la différence au niveau des réponses entre, par exemple, une entreprise qui a plus de 5000 employés et une entreprise qui en a moins de 20, par exemple. On peut, avec le détail des réponses qu'on a, avoir justement les réponses spécifiques d'une grande multinationale et les réponses spécifiques d'une petite entreprise. Et souvent, elles sont bien différentes. Les attentes ne sont pas les mêmes. Par exemple, si je prends un exemple, l'accès au financement, il y avait une question spécifique sur le crédit, l'accès au crédit, et la plupart des grands groupes ont répondu que l'accès au crédit était plutôt facile en Algérie. En revanche, les PME, les PMI, elles ont manifesté au contraire, ils rencontrent en tout cas plus de difficultés. Pour, oui. نعم أستاذ أليكسي نتحدث أيضا عن الحيز تقريبا الزمني لماذا سنة لهذا التحقيق لماذا سنة كاملة حتى تخرج بهذه النتائج alors pourquoi une année en fait c'est en fait le temps que prend Oxford Business Group pour produire son rapport annuel qui sort tous les ans. Ça fait 12 ans en fait que le cabinet est installé ici en Algérie et tous les ans il nous faut un an pour rencontrer l'ensemble des chefs d'entreprise et à la fin de l'année on produit ce rapport qui est en fait un rapport annuel sur l'économie de l'Algérie et en fait on a profité de ces rencontres pour poser en plus ce sondage et vu que notre travail se fait sur une année, le sondage s'est aussi fait sur une année. Alors une année presque pas en fait puisqu'on a arrêté là fin novembre parce qu'il fallait aussi qu'on révèle les résultats au bout d'un moment sinon ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Mais voilà, en fait, c'est une année parce que ça permet justement d'avoir le temps d'aller rencontrer un par un. Et je peux vous assurer que de rencontrer entre 300 et 350 chefs d'entreprise, c'est énorme. Oui, c'est énorme. أستاذ أليكسي نتحدث أيضا تقريبا فيه عديد من الهيئات والمنظمات الدولية دائما تصدر تقارير نتائج لتحقيقات بخصوص مناخ الأعمال في الجزائر تقريبا آخر تقرير Doing Business يصنف الجزائر في المرتبة 166 دوليا على تقريبا دراسة شملت 190 دولة هل اليوم هذا التحقيق لأوكسفورد التي قامت به في الجزائر يعكس هذه الأرقام؟ Alors, juste un mot sur le doing business, puisque évidemment, c'est l'enquête que produit la Banque mondiale, donc beaucoup de gens en parlent. Nous, en tant que cabinet de recherche, on regarde ces résultats avec beaucoup d'intention. On respecte aussi le travail que fait la Banque mondiale à ce niveau-là. J'ai cru comprendre, en vraiment regardant dans les détails, que ce n'était pas forcément l'Algérie qui avait reculé de 10 places, mais plutôt les autres pays qui avaient, eux, gagné des places. Et c'était plus un état, je dirais, de stagnation du doing business pour l'Algérie. Après, au-delà de ça, je dirais que oui, il y a des réponses dans les résultats de notre sondage qui reflètent une vraie frustration sur certains points précis des éléments qui constituent justement le climat des affaires. J'évoquais tout à l'heure, par exemple, l'accès au crédit. C'est vrai que les PME, les PMI, beaucoup ont répondu que c'était très difficile de constituer un dossier et qu'il soit accepté par les banques. Donc vraiment, ils déploraient un petit peu ce manque de soutien des banques de la place algérienne pour ce qui est d'investir, de développer leurs activités. Après, je pense aussi que...
Je pense aussi qu'il faut aussi nuancer ça, dans la mesure où les banques doivent forcément, dans une période difficile, être un petit peu plus rigoureux sur, les dossiers qu'on leur présente. Et forcément, leurs choix se font de manière un petit peu plus rigoureuse à ce niveau-là. Il faut nuancer ça. Pour revenir au doing business, nous, on l'a regardé vraiment avec attention. Mais je pense que c'est important de voir aussi le verre à moitié plein. Le doing business, évidemment, 166e place, c'est pas extrêmement encourageant. Nous, on a tendance à plutôt essayer de voir les opportunités, les challenges. Voilà, pas seulement regarder ce qui bloque, mais plutôt là où on peut être meilleur et se développer. إذن هو تقريبا تقرير يتسم بمؤشرات إيجابية بخصوص مناخ الأعمال. الموعد إذن غدا لمؤسسة أوكسفورد بيزنس الجزائر لعرض نتائج تحقيقها لسنة كاملة حول مؤشرات مناخ الأعمال في الجزائر. السيد أليكسي غينو مسؤول التحرير في أوكسفورد بيزنس الجزائر. مشكور جدا على تلبية الدعوة وكل تقريبا هذه المعلومات القيمة. شكرا جزيلا لك.